Way connected from outside this world. Watch in the tree running <laughs> 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 <Government has been laughs> across the ship. Back in less than a second, right? And that's just a truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials. Et bonsoir les sentinelles. Comme vous le voyez, je suis toujours un peu pris de la gorge, mais ça va quand même beaucoup mieux, merci au miel du village, euh, dont je suis en train de, de, de plomber les stocks, mais de faire monter le cours en bourse pour la peine. Ce soir va probablement être à la fois une soirée triste, puisque nous n'avons malheureusement pas notre Guillaume National qui est avec nous, mais aussi une soirée... Légendaire, j'ai envie de dire. Parce que pendant que nous développons la Sentinel News euh, Phase 3, ce qui, nous, ce qui nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, <laughs> il se trouve que cette, dans les dernières 24 heures, nous avons eu une avalanche d'informations qui nous sont tombées dessus et dont nous allons parler ce soir et qui sont littéralement en train de se dérouler en ce moment. Puisque nous avons notre très cher Matt Laszlo, qu'on a reçu sur la chaîne, qui est journaliste euh, au Capitole des États-Unis, qui est à la sortie du briefing secret euh, mené pour les élus américains concernant les ovnis, et donc en fin d'émission, normalement, on devrait avoir les premiers enregistrements qui devraient être qui devraient être en train de tomber d'ailleurs en ce moment même. Mais avant toute chose, comme on a un très gros dossier ce soir dont on va parler, qui est le dossier Cona, on va commencer par les nouvelles euh, un peu plus légères d'habitude, parce que comme ça, euh, ce sera fait et on pourra se concentrer aux gros morceaux. Alors, j'ai mis ça ici. Racon, tac. Alors, on commence par euh, Pravda. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Pravda, c'est euh, la voix du Kremlin. C'est euh, quand, le, le, quand la Russie veut dire quelque chose euh, à tout le pays, ça passe par Pravda. Et Pravda nous sort un article sur les secrets de l'espace, ovnis, transformation et révélation des astronautes. Les astronautes parlent de leurs sensations dans l'espace, des bruits étranges et des ovnis. Des experts ont analysé le contenu des carnets de bord des astronautes où ils consignent leurs observations et commentaires lors de leur séjour dans l'espace. Ces données ont été analysées par des scientifiques qui ont partagé avec le public des informations sur des phénomènes mystérieux dans l'espace. Les archives laissées par plus de 400 astronautes de différents pays depuis le premier vol spatial habité jusqu'à l'alunissage ont été étudiées. Les journaux décrivent des événements que les auteurs qualifient d'étranges et d'inhabituels. Les chercheurs ont noté que de très nombreux astronautes ont fait état de sensations étranges pendant le vol. Par exemple, celui d'être transformé en animal ou autre créature. Ils ont également rapporté des sons étranges que la science ne peut pas encore expliquer. De nombreux astronautes ont également consigné leurs croyances religieuses après leur vol. Certains astronautes auraient aussi eu l'impression d'être observés par une vie intelligente dans l'espace. Certains d'entre eux ont commencé à croire à la vie sur d'autres planètes après cette expérience, bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique à ce sujet. L'ingénieur Werner von Braun de la NASA confirme que 25 astronautes ont rencontré des ovnis dans l'histoire de l'exploration spatiale, y compris l'exploration de la Lune. Les premiers rapports d'ovnis dans l'espace sont apparus dans les années 60, lorsque Gordon Cooper a rapporté l'observation d'un énorme objet non identifié près de Mercure. Bon voilà, euh, euh, je, je vous laisse à, à ces songeurs sur la phrase de conclusion. Ces phénomènes ont également été filmés par l'ancien général de l'armée de l'air, James McDivitt. Ces informations pourraient à l'avenir être confirmées scientifiquement ou donner lieu à de nouvelles missions de recherche. Alors, plusieurs choses à noter sur cet article. La première chose, c'est que vous remarquez que ça ne parle pas des cosmonautes, puisque toutes les références à l'intérieur sont américaines, alors que c'est un journal russe, même, on a un peu envie de dire, le journal de la Russie. Donc, euh, un petit message, j'ai envie de dire, de, de nos très chers amis russes à l'adresse la, de leurs voisins polaires des États-Unis. Euh, où on, on, on pourrait s'interroger, tout à fait honnêtement, sur le fait que bon, apparemment, hein, les Russes sont très à l'écoute de ce que les astronautes américains disent. Ce qui est très intéressant, c'est que l'inverse est aussi vrai. Alors très loin en arrière sur la chaîne C'est a Facile, deux ans et demi, vous allez retrouver une déclassification d'un document qu'on avait traduit ensemble euh, qui racontait comment est-ce que l'espionnage américain avait récupéré les témoignages des euh, cosmonautes soviétiques et que euh, on avait en fait un, un conflit qui n'arrivait pas à résoudre c'est-à-dire que les premiers cosmonautes euh, voyaient des objets dans l'espace alors qu'ils pensaient être les premiers les premiers Américains dans l'espace voyaient des objets pensant que c'était soviétique et ça correspondait à aucun objet soviétique qui était dans l'espace à ce moment-là. Et on avait donc traduit ce, ce rapport du renseignement qui venait d'être déclassé à l'époque. Et euh, on, on se retrouve là avec le même intérêt dans euh, un article de la presse nationale russe. Une sorte de, de symétrie et de rivalité entre les deux. Alors ensuite, on a, euh, concernant les informations non corrélées, euh, on a cette euh, information qui nous vient de Reddit, sur laquelle on a un journaliste de Sortina News qui est en train de mener l'enquête. Donc on ne peut pas vous confirmer que l'information est bonne, mais elle est suffisamment intéressante pour qu'on vous en parle. Euh, je vais vous faire une traduction rapide pour que vous en ayez un, euh, un avant-goût, on va dire. Tac Je travaille sur un navire de recherche. Récemment, nous avons effectué une sortie pour étudier la bioluminescence dans le golfe du Mexique. Vers 23h45, nous menions nos recherches, normalement lorsqu'un membre de l'équipe scientifique a aperçu une lumière étrange à environ un quart de mile de notre poupe. Nous avons immédiatement commencé à nous diriger vers la lumière. L'intensité de la lumière était tout à fait étonnante personne dans l'équipage ou dans l'équipe scientifique ne savait ce qu'il fallait en penser au début nous avons pensé qu'il pouvait s'agir d'un navire coulé ou d'une bouée de navigation quelconque qui aurait coulé nous nous sommes rapprochés le plus possible de la lumière et nous avons fini par être directement au-dessus d'elle notre navire est doté d'un centre d'observation en son centre ce qui a permis à l'équipage et à l'équipe scientifique d'observer attentivement la lumière depuis le dessus devront utiliser une caméra sous-marine pour tenter d'enregistrer de, ce que l'objet pouvait être. l'équipe scientifique à bord a automatiquement exclu que la lumière soit produite par du phytoplancton bioluminescent. cette source de lumière se trouvait il, on est certain que cette source de lumière se trouvait au fond de l'océan et ne flottait pas dans la colonne d'eau en dessous du navire. elle ne se déplaçait pas dans le courant. La profondeur de l'eau à cet endroit précis était de 60 pieds. En étant au-dessus de la source lumineuse, nous avons utilisé un sonar pour nous donner une image du fond de l'océan à cet endroit. À notre grande surprise, l'objet produisant la lumière n'avait pas de forme physique détectable. Il était invisible pour notre sonar. Le sonar est également capable de créer des images des objets qui se trouvent sous le plancher océanique. Des objets qui pourraient être partiellement submergés dans la boue. Et des objets qui pourraient aussi être, pourraient être aussi petits que 8 cm en longueur et en largeur. Quelles hypothèses pourrait-on faire sur cet objet? Il faut tenir compte de la force de la lumière qui doit briller à travers 60 pieds d'eau et qui est assez forte pour que nous puissions l'observer à une distance considérable. Il y avait sans doute, il y avait sans aucun doute, ah, sans aucun doute un arc de visibilité qui semblait plus lumineux lorsqu'on le regardait de plus loin que lorsqu'on le regardait de dessus. Voilà, on est en train de mener l'enquête à Sentinelle pour essayer de récupérer toutes les informations et de vous les vérifier. Donc, quand on en saura plus, on vous mettra au jus. Et le très gros dossier qui nous vient aujourd'hui, nous vient des États-Unis avec l'Aro qui vient de déclassifier deux bombes nucléaires, dont on va parler ensemble. Vous pouvez donc le trouver sur le site officiel de l'ARO. Et vous avez deux documents, un qui ne paye pas de mine et un qui fait 63 pages. Dans celui qui ne paye pas de mine, il y a quand même quelques éléments d'information qui sont extrêmement intéressants, euh, puisque ça résout un peu le, le débat qu'il y avait eu depuis l'origine de 2017 hein, du, du programme A-TIP de Louis-Elisando où euh, on n'arrivait pas à trouver de traces écrites confirmant l'existence du programme. Ça avait été résolu en partie par une lettre adressée par euh, le, sénateur, le sénateur Harry Reid, qui avait déclaré que Louis Ando était bien le directeur du programme ATIP et qu'il avait eu un travail exemplaire. On avait peu de documents internes aux États-Unis qui permettaient de savoir exactement euh, comment ça s'était déroulé avec le programme ITIP. C'est ce qu'on vient de recevoir. Donc. Laro a retracé l'origine de la proposition de programme Kona Blue jusqu'au programme OSAP type hey, !» Alors là, il alors, va falloir que je fasse beaucoup d'explications contextuelles parce que c'est des textes qui sont très denses et qui n'expliquent rien. Donc, euh, j'explique pas mal de choses. Laro, c'est le nom du groupe actuel de recherche sur les ovnis au sein du département de la Défense et du bureau du directeur du renseignement national. On a demandé à Laro de euh, chercher quels étaient les différents programmes qu'il y avait eu pour son rapport historique concernant les ovnis. Et il avait listé à l'intérieur le projet Kona Blue. On avait assez peu d'éléments d'information sur Kona Blue avant qu'il le fasse. On savait qu'il y avait eu un programme tel que celui-là qui avait été existé, qui était en fait le transfert d'un ancien programme. Et cet ancien programme s'appelait le programme OSAP. Ce qui porte à confusion, c'est que la terminologie OSAP, pour la cacher, un autre nom était donné en public, c'était le programme ATIP. Or, Louis Lizondo, quand il va recréer des années plus tard un programme au sein du département de la défense sur le même sujet, il va reprendre ce surnom, ATIP, mais qui est pour un autre programme, qui est le nom de son programme à lui. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une confusion, en fait, entre les termes qui sont utilisés. OUSAP était un programme sous la DIA, la Defense Intelligence Agency, doté d'un budget de 22 millions de dollars, donné, en gros, par le Congrès sous la direction de Harry Reid. Et ATIP, était le surnom de AOSAP à l'époque. Plusieurs années après ce programme, Lou Elizondo va recréer un programme ATIP au sein du département de la défense. Là, on parle de la première version AOSAP. Quand AOSAP termine son activité, Harry Reid veut placer cette activité à l'intérieur d'un programme à accès restreint, ce qu'on appelle un SAP. Pour ce faire, il faut l'inclure à l'intérieur d'une agence. La DIA ne pense pas que c'est de son ressort vu les données qui ont été récupérées. Mais elle propose la DHS, le Department of Homeland Security, qui, pour elle, pour la DIA, est plus adaptée. Et du coup, on aura la proposition par euh, l'État-major pour faire simple par l'état-major du programme OSAP, de, euh, ils, en fait, ils sont allés voir la DHS. Ils ont proposé. Voilà. On a ce programme qui tourne bien. Est-ce que vous voulez l'abriter à l'intérieur et lui donner la classification euh, restreinte que l'on demande pour ne pas que les informations puissent fuiter à l'extérieur Cette lettre du programme ARO que l'on est en train de voir répond à beaucoup de questions qu'on se posait et donc. <coughs> euh, dans les différents éléments qu'on peut noter, on a du coup cette euh, filiation qui est faite entre OSAP et ETIP. Et ensuite, on a la partie un peu plus historique. Donc je continue un extrait de la lettre. En 2011, le sous-secrétaire à la science et la technologie du ministère de la Sécurité intérieure, le DHS, a fait de Kona Blue un programme à accès restreint en affirmant qu'il existait des informations et du matériel qui nécessitaient ce niveau de protection. Le sous-secrétaire a également cité l'intérêt du Congrès pour le sujet, les impacts possibles sur la sécurité intérieure pour justifier le programme. Six mois plus tard, cependant, le secrétaire adjoint du ministère de la Sécurité intérieure a désapprouvé le programme Conablou en tant que programme d'accès spécial et a ordonné qu'il soit immédiatement mis fin à ce programme en raison de préoccupations concernant l'adéquation de la justification du programme et la suffisance des informations essentielles à l'élaboration à de la proposition de programme, y compris les exigences en matière de personnel et de budget. Alors, on verra dans le document suivant que la dernière phrase qu'on lit là dans la lettre est assez fausse. Ce n'est pas cet argument-là qui est utilisé par le sous-secrétaire pour annuler euh, Conablou. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu en fait deux étapes. D'abord, Conablou est validé. Et vous allez voir dans les documents que Conablou est quand même parti très, très loin. Et malgré ça, ça a quand même été validé. Et ensuite, sur une relique, enfin, un réexamen qui était fait de la situation sous une nouvelle direction et en l'absence du chef du, du programme Conablou, euh, il y a eu l'annulation de ce dernier. Ce qui pose question de savoir quelle a été la raison de cette annulation. Et on verra que c'est relativement obscur à l'intérieur des documents qu'on nous montre. Je continue la lettre de Laro. Il est essentiel de noter que si certains membres du personnel du DHS pensaient que des informations et du matériel pertinents seraient fournis au DHS lors de la mise en place du programme secret, aucune donnée ou matériel de quelque nature que ce soit n'a jamais été transférée ou collectée par le DHS sous les auspices de Conaplou. Les informations relatives aux activités menées sous les auspices de Laosab Aitip sont conservées dans les archives de la DIA seule. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que le DHS a quand même été l'agence des États-Unis qui a été la plus ouverte sur le sujet. C'est grâce à la DHS qu'on a eu. Euh Pardon. 13 vidéos qui sont sorties tout à fait légalement montrant des pans, euh, on, et ils ont fait aucune opposition à hein, ce qu'on diffuse des vidéos labellisées pans dessus, vous les avez sur la chaîne en plus. Donc, euh, on, on, c'est assez étonnant en fait que l'ARO dise qu'il y a eu aucun transfert d'informations vers le DHS, ça sous-entend en fait que ça a été une des raisons de l'annulation du programme. Euh, par contre, il y a une antériorité à la DIA, c'est-à-dire que ce programme, le Conablue, sous le nom OSAP, était sous la direction de la DIA avec Jim Lakatsky, mais <coughs> désolé, mais euh, lors de l'activité de OSAP, leur production était des rapports écrits d'anticipation de développement technologique. Et je pense qu'il fait référence à ça, euh, puisque c'est Kirkpatrick qui a écrit cette lettre. Euh, enfin, je pense que c'est... Je ne sais même pas s'il y a une signature. Non, il n'y a pas de signature. Je, je, je pense que c'est Kirkpatrick, mais je n'en ai pas la, la certitude. Euh, ce qui laisse penser que, en fait, ces documents seraient les seules traces, ce qui est très, très étrange, hein, puisque puisqu'on avait déjà parlé du programme OSAP de nombreuses fois sur la chaîne, et on sait qu'il y a eu des études très intensives, parmi lesquelles... Un archivage de 200 000 cas fait par Jacques Vallée, euh, qui est la, la base de données Capella, qui est restée à l'intérieur d'un programme euh, secret. Bien. Alors maintenant, passons au très très gros morceau, qui est euh, les différents documents déclassés euh, pour la secrétaire à la défense Kathleen Hicks. Alors, on commence par... Vous le voyez Ouais, vous le voyez. On commence par une lettre. Tac. Alors, par contre, le format de ce fichier-là fait que je n'ai pas pu faire de traduction automatique. Donc, je vais vous faire une traduction à la volée. Et pour ça, il faut que je puisse le lire à l'œil nu. Vas-y, n'as pas de pratique là. Attends, viens, attends. Tac. Alors, est-ce que je peux le faire comme... moi ouais, je peux le faire comme ça. Donc, on est le 5 février 2024. C'est il n'y a pas longtemps, hein? 5 février 2024. Le DHS envoie une lettre à la secrétaire adjointe à la défense, Kathleen X. Cher Kathleen X, merci pour votre lettre du 28 septembre 2023. Septembre 2023. Ça fait une paire de mois pour lui répondre quand même. Suivant votre demande, le DHS a déclassifié les documents suivants par rapport à votre interrogation sur le euh, programme secret Cona Blue. Ce qui veut dire que fin septembre, la secrétaire adjointe à la défense a posé directement la question à la DHS de savoir qu'est-ce que c'est que ce programme, ce programme Kona Blue. Et envoyez-moi les documents que vous avez. On peut se poser la question qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été qui a fait que beaucoup de gens au sein des grosses, des hautes instances du gouvernement des États-Unis ont commencé un petit peu à paniquer et à se poser des questions sur ce qui se passait au niveau des ovnis et des programmes de recherche américains Évidemment, on pense tout de suite aux auditions pendant l'été de David Grush, qui avait déclaré que les États-Unis disposaient d'un programme de récupération de débris d'ovnis et qu'ils faisaient de la rétro-ingénierie dessus. Et le DHS met six mois à répondre à la question de la secrétaire adjointe à la défense Intéressant. Intéressant. Alors, euh, par rapport au nom du euh, programme, Kona, c'est une des euh, plages de Hawaï, si je ne me trompe pas. Et Hawaï, c'est la circonscription d'un des sénateurs qui, voudra, qui votera le financement pour le programme de euh, recherche OSAP au départ. Donc, on peut voir ici une allusion euh, à, son, à son territoire. Euh, c'est le sénateur Inoué, pour ceux qui se posent la question. Mais Hawaï, c'est aussi une des zones les plus intenses d'observation de, euh, de pans dans le Pacifique. Il y en a vraiment de très, très nombreux. J'ai des contacts là-bas qui m'ont confirmé. Et aussi des événements extrêmement euh, anormaux. Est on est très, très loin sur l'échelle d'étrangeté dans les cas de devenir. Donc je, je trouve assez intéressant qu'ils aient choisi euh, ce, ce terme-là, d'autant plus que le bleu fait référence à la fois au ciel et à la mer. Donc autant, euh, c'est limite assez étrange qu'ils aient choisi un nom aussi transparent euh, en soi, parce que d'habitude, plus le programme est secret, plus ils choisissent quelque chose qui est vraiment pas connecté, genre euh, cheval blanc pour parler d'un tank, parce qu il n'y a pas de relation. Euh... Mais euh, encore, pour relation, on dirait en ligne pour parler d'un tank. Euh, autant là, euh, je trouve que c'est assez explicite, en fait. Donc sur la magnifique image qu'on nous présente, on voit qu'il a été complètement dé déclassifié, et qu'il s'agit d'un Unanalage Waved Prospective Special Access Program. Et ça, c'est super intéressant. Special Access Programme, c'est les programmes très secrets dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est au niveau top secret, mais en plus faut être écrit sur une liste papier pour avoir le droit d'être mis au courant des informations. Prospective, ça veut dire que c'est une proposition de création de ce programme à accès restreint. Waived, ça veut dire que ce programme n'est pas obligé de faire des comptes rendus au congrès à chaque année ou chaque trimestre. Un knowledge, ça veut dire que même si on pose la question les personnes qui sont à l'intérieur sont obligées de mentir si la personne qui pose la question, même si elle a un très haut niveau d'accréditation, n'est pas à l'intérieur de la liste des personnes qui ont le droit d'avoir accès à cette information. Donc on est au plus haut du secret des États-Unis. Vous ne pouvez pas monter plus haut que ça. C'est au niveau top secret et vraiment à l'intérieur d'une toute petite niche où vous avez en gros le président des États-Unis, euh, le directeur du, euh, du Club des 8. Et votre supérieur hiérarchique direct qui sont au courant de ce qui se passe. Alors ensuite, les différents éléments euh, qui présentent ce dossier. Donc en gros, le dossier qu'on regarde, c'est la euh, la proposition de création. Du programme Conablue, euh, qui est la version d DHS, Department of Homeland Security, de OSAP. Donc, c'est une sorte de euh, OSAP plus. Euh, on a fini le programme OSAP, surnom ATIP, version 1, et on veut mettre ça euh, à un niveau plus protégé. Donc, en plus, on va demander à avoir des, a des attributs en, euh, basés sur les recherches qu'a fait OSAP pour passer à, une, à, à leur phase 2. À, alors, c'est intitulé euh, « dispositif contre les menaces technologiques avancées ». Ça, c'est assez intéressant parce que ça donne l'optique dans laquelle se place le document. C'est-à-dire que, en gros, l'argument qu'ils vont utiliser, ça va être qu'il y a des plateformes qui se déplacent et qui ne sont pas gérées par la défense et que cela met en danger la sécurité des États-Unis. Donc, le but, c'est la recherche, l'identification et l'analyse d'informations et de matériaux avancés concernant les technologies disruptives. Voilà. Donc, si vous savez lire le jargon administratif, vous avez tout à l'intérieur, puisqu'on parle de recherche, d'identification. Donc, c'est-à-dire que vous parlez d'objets que vous n'avez pas encore identifiés et que vous essayez de récupérer des morceaux. Ces objets sont définis comme ayant des technologies disruptives. Une technologie disruptive, c'est une technologie qui, par son existence toute seule, rend obsolète beaucoup d'autres technologies. Donc, par exemple, une des technologies disruptives dont qu'on utilise beaucoup dans les cours d'économie, c'est l'ampoule par rapport à la bougie. L'ampoule, la création de l'ampoule, ça a été une technologie disruptive, c'est-à-dire que c'est pas les ceux qui fabriquaient des bougies qui ont inventé les ampoules. Ça fait, ça fait la même fonction. Mais ce n'est pas du tout la même ligne technologique. Et d'un coup, les ampoules ont rendu les bougies obsolètes. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas encore des bougies aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout au même niveau que ce qu'on utilisait avant. Alors, quel est l'intérêt pour la DHS de faire cela bah, C'est de mettre la DHS au sommet de la technologie. Alors, la DHS, ça a pour but, en gros, de surveiller euh, tout ce qui se passe et de pallier au déficit du renseignement qui, euh, qui pourrait se faire dans d'autres dans secteurs. Ce qui veut dire aussi que, et c'est là où on verra un argument qui porte un peu euh, sur le fait que on, la DHS ait annulé ce programme, on n'est pas non plus euh, à la DIA. C'est-à-dire que la DIA, on pourrait considérer qu'elle puisse se charger du développement de plateformes de euh, d'armement basées sur de la rétro-ingénierie. Ça rentrerait à l'intérieur de, de ces missions. Euh... Mais, là, on est vraiment beaucoup plus dans le renseignement au sein du DHS. Et, Autant le renseignement technologique est une des puissances des États-Unis, autant on peut se demander si, si le DHS est vraiment la meille, le meilleur organisme pour s'occuper de ce genre de, de choses. On aurait pu penser par exemple au DARPA. Le DARPA qui est l'agence de développement des armements américains et des plateformes de, de renseignement très avancées, qui aurait été plus dans cette, dans cette spécialité-là. Mais on verra ensuite pourquoi est-ce qu'il parle de renseignement. <coughs> euh... Tac, 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 tac. Donc ensuite, euh, on parle d'approche euh, scientifique qui sera utilisée par Conablue. c'est-à-dire qu'il se pose la question de savoir quelles sont les technologies émergentes qui seraient une menace pour les États-Unis. Il faut alors trouver les failles de ces technologies et euh, pouvoir conduire de l'espionnage à partir de ça. Donc en fait, la L'idée qu'il y a derrière ceux qui ont organisé Code Blue, c'est que d'une part, en observant ces objets-là, qu'on va appeler OVNI, on va comprendre quelle est leur signature et trouver des faiblesses de ces objets-là. Donc ça, c'est du renseignement. Mais en plus, on pourra s'en servir pour euh, récupérer ces objets, développer nos propres technologies issues de ces technologies d'objets et avoir nos propres plateformes de renseignement. Et là, il y a un précédent historique qui est l'avion U2 de la CIA. L'avion U2 de la CIA est euh, créé en partenariat avec euh, Lockheed Martin. Euh, il y a un bureau de 80 personnes qui bossent dessus. Il y a 5 euh, personnes qui sont vraiment au courant de l'ensemble du projet et de savoir ce qui se passe. Et on a une plateforme de renseignement qui est en dehors de l'armée de l'air des États-Unis. Alors, c'est. Moitié à l'intérieur, moitié en dehors, mais techniquement, l'objet est sous la supervision de la CIA avec l'appui la pluie, la pluie, la pluie, de l'armée de l'air. Et du coup, là, on pourrait se poser la question si euh, la CIA n'aurait pas été intéressée aussi par ce genre de programme. Euh, étant donné que c'est la CIA hein, qui a donné, qui a enfanté ensuite toutes les autres agences de renseignement des États-Unis, où euh, à chaque fois qu'il y avait une crise, en fait, on crée une agence pour compenser une des faiblesses de la CIA. Donc on pourrait se poser certaines questions, d'autant plus qu'on sait depuis un an maintenant, si je ne me trompe pas, peut-être peut six mois, peut-être six mois, qu'il y a une équipe de récupération d'ovnis au sein de la CIA qui s'appelle l'OGEA, l'Office of Global Access, qui a pour but de récupérer tout élément technologique qui se cracherait quelque part sur Terre, que ce soit d'origine humaine ou non humaine. Donc en fait, on a plutôt une situation de concurrence, c'est-à-dire qu'il y a probablement plusieurs programmes qui s'occupent de faire ça, chacun pour donner un avantage à son agence, à lui, et qu'il y a une sorte de compétition qui fait que les informations passent très très mal sur le sujet. Parce que ce sont des technologies disruptives et que l'agence qui arriverait à les débloquer aurait un immense avantage et pourrait marchander ses moyens par rapport aux autres agences. Alors ensuite, ça nous explique et là ça va commencer à partir très très loin qu'il y aura quatre centres de recherche. Il y aura un centre de collecte de données et d'analyse, un centre de recherche sur les technologies avancées, un centre de recherche sur la conscience et un centre de recherche sur les applications des technologies. Oui, vous avez bien entendu, on propose à la DHS de relancer les études de SRI de Rosser-Targ, pour arriver à fabriquer des espions militaires qui utiliserait des ressources mentales non prouvées scientifiquement pour espionner à distance des, des nations rivales sans qu'il y ait besoin de la moindre euh, nécessité de renseignements technologiques. Le but de Conablou est de faire l'inventaire de toutes les technologies disponibles et d'éléments matériels, technologies, y compris voyages temporels et effets sur l'homme. Et c'est là où, quand j'ai commencé à lire ça dans le, dans, dans le document, je me suis dit, où ils sont partis très, très loin. Et là, il faut pas oublier que cette présentation a été validée. C'est-à-dire que cette présentation-là, présentée comme ça, ça a donné, ça a été validé pour un budget de 12 millions de dollars. Euh, et ils disent clairement dans la troisième page de présentation, voilà, on veut travailler sur euh, la vision à distance par pouvoir magique et sur le déplacement temporel. Et c'est un programme qui a été accepté par les États-Unis. Alors, il a été fermé au bout de six mois dans des circonstances qui sont encore obscures, mais il a été accepté. Hein, donc, euh... <laughs> je sais que ça a posé question à beaucoup de monde, mais pour la peine, là, le, le document est inattaquable, hein, dans le sens où c'est un document... <laughs> Euh, valide, originaire euh, du site officiel de l'ARO, déclassifié par l'ARO, déclassifié par le DHS. Il y a tout à l'intérieur. Cela dit, on peut se poser la question que, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que ce document n'est pas sorti plus tôt Parce que Dr. Kirkpatrick vient juste de quitter l'ARO. Là. Il n'est que consultant de l'ARO désormais. Et on a notre très cher Philips qui vient de reprendre la direction de Narro, et dans les premiers jours de, son, de sa direction de Narro, sort ce document-là qui en fait contredit tout ce que Kirkpatrick a dit auparavant, y compris dans son propre rapport historique. Donc ça commence à taper assez loin. Un des effets recherchés est d'augmenter la capacité de résistance sociale. Alors je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui vont partir en mode euh, Ah, c'est pour euh, faire des super soldats euh, et euh, rendre les cerveaux humains inattaquables par des... Euh, armes psychotroniques. Non, en fait, je pense que c'est simplement pour euh, le sentiment de puissance, c'est-à-dire que si un pays se sent fort, il a confiance en lui-même, et quand il a confiance, euh, l'ensemble le, le, du pays tourne mieux. On, on entend beaucoup parler, par exemple, de l'indice de confiance des ménages. Bah, si vous entendez dire que les États-Unis ont euh, développé une nouvelle arme thermonucléaire qu'ils peuvent balancer sur n'importe quel pays du monde à n'importe quel moment et que aucun système de défense ne peut la contrer, bah, vous êtes content d'être le pote des États-Unis et de pas être la Chine ou la Russie. Donc je pense que c'est cet effet de résistance sociale dont on parle, là. de fait d'avoir de l'avance sur les autres et de renforcer la, la confiance de la population. Ensuite, ça nous parle qu'il y aura plusieurs divisions à l'intérieur de, de ces centres de recherche. Une des divisions, ce sera la division d'expérimentation sur le terrain, dont le Skinwalker Ranch. Donc toutes les personnes qui disent je suis en train de perdre ma voix, c'est un drame. Toutes les personnes qui disent que le Skinwalker Ranch c'est des fadas, j'en ai encore eu euh, là dans la dans la chaîne. Écoutez, je suis désolé. Est-ce que c'est une équipe de euh, scientifiques Oui. Est-ce que c'est une équipe de scientifiques sous contrat avec une université Non. Est-ce qu'ils essayent de faire une étude scientifique de terrain Oui. Est-ce que c'est présenté dans une émission télé où forcément le montage essaye de faire monter l'attention Oui. Il <laughs> y, y a aucun souci avec ça. Mais je, 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 dites-vous bien que là, le, le très sérieux Department of Homeland Security a accepté, accepté d'étudier le Skinwalker Ranch. Non seulement ça, mais dans le document de briefing, vous avez aussi marqué qu'ils recherchent tous les autres milieux sur la planète qui auraient les mêmes caractéristiques d'étrangeté que le Skinwalker Ranch et qu'ils vont ensuite passer les années suivantes à développer des installations de recherche sur le terrain. C'est écrit dans le document et c'est validé par le DHS. Hein. Je, je ne fais que lire le DHS et je sais que ça a perturbé beaucoup de gens qui détestent le Skinwalker Ranch, mais euh, voilà, voilà. Euh, désolé pour vous. Euh, et après, c'est moi qu'on traite de zététiciens sur des momies péruviennes. Euh, ça va faire marrer les zététiciens, ça d'ailleurs. Alors ensuite, il y aura euh, une équipe médicale euh, qui cherchera. Alors là, la, la phrase, elle est légendaire, mais, mais ce, ce, ce document est couvert de phrases légendaires. L'équipe médicale sera chargée d'examiner les cas de blessures et de morts qui ont été entraînés suite à la proximité avec des véhicules aérospatiaux avancés. Alors, si vous n'avez jamais entendu ce terme, c'est un des loups blancs. Ça se dit loup blanc Je ne sais plus. Euh, c'est un des termes qui est utilisé pour parler de OVNI sans dire le mot ovni, c'est les AAV, Advanced Aerospace Vehicles, dont on a parlé plusieurs fois déjà sur la chaîne. C'est euh, un des mots qui permet d'échapper au FOIA, puisque si vous utilisez le terme UAP pour demander des documents, bah vous n'allez pas obtenir les documents où c'est marqué AAV. Ouais. Le but est aussi de récupérer les technologies avancées qui ont été récupérées sur, les, sur la base des témoignages d'anciens de l'armée et du renseignement. Du coup. Là, on est vraiment sur ce qui était euh, normalement le travail de Laro. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, ce que Kona euh, voulait faire était en fait la base de ce que Laro devait faire. Et on avait le euh, sénateur Marco Rubio qui avait d'ailleurs engueulé Laro pour ne pas avoir fait ce travail de contact avec les anciens membres du renseignement et de l'armée, et que du coup, euh, il refusait de donner leur témoignage à, au docteur Shankar Patrick. Ensuite, on approche sur la euh, recherche sur la conscience. Le but de la recherche sur la conscience, ce sera de développer des capacités de vue à distance pour cibler les activités et le but de ces engins technologiques. Et alors attention, là ça part très très loin. Le but est d'avoir une utilisation dans le renseignement des techniques de dématérialisation et de rematérialisation, de transfert de matière à travers l'espace et le temps et les dimensions. C'est un texte, c'est une ligne précise dans le. Euh, donc ils sont partis très très loin et ce qui n'est pas non plus euh, ultra exotique pour ceux qui connaissent bien l'ufologie, mais je peux vous assurer que si vous avez une agence de renseignement qui vous lit ça, elle se demande de quoi on lui parle quand même. Ce qui explique probablement pourquoi, au bout de six mois, euh, le nouveau directeur des programmes spéciaux s'est dit Ça a l'air dangereux quand même, on va arrêter le délire. On a bien marqué hein, dématérialisation et rematérialisation ce qui est décrit aussi par certains témoins hein, qui disent que ces objets semblent se matérialiser à partir de lumière euh, et qu'il y a transfert de matière euh, comme si l'univers était membranaire et que ça pouvait passer à travers cette membrane. Euh, ensuite. Il y a tout un argumentaire qui, vive, qui vise à convaincre le, les instances euh, de euh, la nécessité de mettre le programme en SAP, c'est-à-dire en accès restreint, en, se, très, en top secret à accès restreint. Pourquoi Parce qu'en fait, ils disent que... Pour récupérer dans les autres agences et dans les autres programmes à accès restreint les matériaux qui ont été mis de côté par les autres organismes concurrents qui essayent chacun de débloquer cette technologie pour leur agence, il faut que euh, Conablue ait cette accréditation pour pouvoir rentrer à l'intérieur des autres programmes à accès spéciaux. Et ça, ce sera probablement euh, un des arguments qui va les plus les desservir. Parce que, en gros, c'est ce que le, le nouveau patron va utiliser pour dire. En fait, non, vous avez juste besoin de leur demander, vous n'avez pas besoin d'avoir un accès spécial. Alors, ensuite, on repart très très loin, puisque dans les éléments qui seront nécessaires au, euh, à Conablou, il y a, et là, accrochez-vous, <coughs> les données satellitaires de la Lune, les données satellitaires de Mars, L'ensemble des cibles inconnues de, du National Reconnaissance Office, les euh, cibles non corrélées du NGA et du NORAD. Donc, en fait, ça demande l'accès en utilisant le jargon précis dans lequel chaque agence a caché les ovnis à l'intérieur de son système de renseignement et ça demande à avoir accès à tout ça. Euh, je trouve très intéressant, qui demande les images satellitaires de Mars et de la Lune. Je n'en dirai pas plus. Alors, euh, ça c'est un peu les premières pages euh, du document. Tac. Ensuite, on a les diagrammes. Et là, on arrive à une série de lettres. Ah non excusez moi j'ai oublié un passage j'ai failli me faire frapper la tronche euh, parce que celui-là il faut vraiment pas que j'oublie. Tac. Alors, je voulais vous chercher l'endroit exact. Alors c'était parti où Enfin bref, à l'intérieur, ils disent que non seulement ils vont essayer de récupérer tout ce qui est engin, mais aussi tout ce qui est reste biologique. Alors, petite astérique sur reste biologique, c'est que le terme reste biologique est utilisé deux fois, si je me souviens bien. Et la deuxième fois, c'est aussi utilisé pour parler des victimes de pans. C'est-à-dire que quand on entend reste biologique, il ne faut pas se dire juste les corps des pilotes potentiels. Mais il faut aussi penser que ça peut être les restes biologiques des gens qui sont morts à, au contact d'un pan. Euh, et j'ai trouvé cette, cette précision assez intéressante parce que je n'y jamais pensé auparavant, en fait. Euh, mais voilà, c'est à l'intérieur du texte, vous pourrez le trouver. Alors ensuite, on apprend que euh, les... Euh, le... Le Konablu le demande d'avoir accès aux recherches venant des groupes étrangers. C'est-à-dire qu'ils veulent euh, pas spécialement collaborer parce que ça a l'air vraiment unidirectionnel, mais ils veulent avoir accès aux recherches de même type qui sont faites par les autres pays. Euh, étant donné qu'on dit ça à une agence de renseignement, ça fait quand même très penser au programme de recherche de la Russie et de la Chine sur le sujet. On apprend aussi que euh, un bâtiment a déjà été repéré à Las Vegas pour abriter le skiff qui permettra euh, de mener ses recherches au niveau protégé. Évidemment, Las Vegas, a fait beaucoup penser au sénateur Harry Reid qui était le, le promoteur de cette, euh, de ce programme. Et c'est aussi là où il y a Biglow. Or, on sait que Biglow avait dépensé une fortune pour créer un bâtiment Skiff, justement pour abriter le prochain euh, programme suivant OSAP, et que ce, ce bâtiment n'a jamais été utilisé, que ça a été une lourde perte pour Biglow. Donc, c'est très probablement Biglow qui avait proposé ce, ce bâtiment. On apprend aussi que le budget est déjà validé pour Conablue, c'est-à-dire que c'est marqué dans le document que les sénateurs ont été briefés dessus et que les, euh, les fonds sont déjà prêts pour financer euh, la suite. Sachant que les, les fonds sont balèzes. Hein. C'est euh, 12 millions la première année, ça monte à 25 la deuxième année, puis 30 à 50 millions la troisième, et ensuite c'est pas chiffré. C est, c est, ce sera probablement plus. Euh... Tac. Ensuite, on arrive euh, au, au deuxième document qui est en fait euh, c'est parti euh, voilà, tech. Donc c'est un deuxième document de briefing qui reprend en gros toutes les informations dont tu as parlé avec quelques nuances, mais j'ai rajouté les nuances au fur et à mesure où on parlait des différentes parties. Donc ces deux éléments qui sont assez intéressants. Il y a une différence entre les deux qui est le programme d'éducation dont on va parler. Donc, ça reprend là. Il me le faut en plus grand. Donc, en gros, ça décrit qu'il y a la mise en place d'un centre de collection. Donc, là, on parle bien des 200 000 cas de Jacques Vallée. À l'intérieur, il y aura des laboratoires qui permettront de faire les analyses sur place. Ah, c'est là. Ici. Euh, donc là, on a euh, la phrase qui définit euh, parler aux anciens euh, vétérans du renseignement et des forces militaires pour savoir où sont les débris à l'heure actuelle, trouver les différents emplacements pour mener des recherches dessus, développer le remote viewing. Euh, J'adore comment c'est écrit simplement noir sur blanc. Bon, ben voilà, on va faire ça. Euh, et chose très intéressante, la nuance qu'ils ont rajoutée là. C'est étudier la conscience en interaction et en contrôle de technologie. C'est-à-dire que là, on a aussi une thèse hein, qui est assez ancienne dans l'ufologie, disant que, bon, c'est pas une thèse spécifiquement exotique, hein, c'est simplement que la plupart des témoins, quand ils rentrent dans les vaisseaux, décrivent qu'il n'y a pas de manette, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de valve, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Et donc, il y avait depuis longtemps l'idée que, en fait, c'était des objets qui se commandaient par la pensée, ce qui n'est pas bête du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les chasseurs de dernière génération, vous avez des systèmes qui sont en train, littéralement, de lire votre cerveau pour savoir quelle est votre intention et préagir à votre place pour réduire le temps de réaction aux événements. Donc on est déjà devant ce, de, cette sorte de mode de, de conduite par la pensée et on a développé des technologies aujourd'hui qui permettent à des tétraplégiques de commander des robots par la pensée. Même si on est encore très très loin hein, d'avoir des, des, des choses vraiment performantes, c'est des pistes qui existent déjà. Euh, ça on a dit. Alors, là, on a la section GEPAN du programme, puisqu'on a euh, le développement d'un corps de volontaires de plusieurs centaines de personnes euh, qui seraient entraînés à récupérer des informations sur le sujet, à la fois au renseignement technique et au renseignement humain. Et donc ça, j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est typiquement ce que fait le GEPAN, mais en version euh, civile. Euh, et je me demande s'ils n'ont pas piqué, en fait, l'idée du GEPAN et l'ont injecté à l'intérieur de leur projet. Globalement, le, euh, la réponse qui est demandée à la question euh, Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça c'est que en fait, le renseignement par remote viewing permet avec très peu de coûts d'obtenir des informations intéressantes. Euh, mais ce qui n'est pas calculé à l'intérieur, c'est que du coup... Tout ce qui va être industrie euh, de renseignement, tout ce qui va être satellite euh, secret euh, militaire, tout ce qui va être étude euh, des signaux euh, techniques, tout ce qui va être logiciel élection devient obsolète. Donc, je pense qu'un des adversaires les plus féroces qu'il y a eu, en fait, au développement de cette piste de recherche, ça a tout simplement été le côté industriel, puisque l'industrie, enfin, ce serait une technologie, si, c'était développé réellement, ce serait une technologie disruptive au niveau du renseignement, puisque vous obtiendriez, avec un coût de presque zéro, puisque vous avez juste besoin de quelqu'un qui ait accès à ces informations, vous développeriez un moyen de renseignement extrêmement efficace. Euh, donc ça, on l'a parlé tout à l'heure. Ça aussi... Et globalement, il y a un, le, un des arguments qui, sur lesquels ils insistent, c'est que ce, si eux ne le font pas, les autres le feront et cela, promet, cela compromettrait la sécurité des États-Unis. Ce qui est un très très ancien argument qui marche toujours. Euh, donc là, ça explique en plus en détail les différents éléments dont on a parlé. Là, vous avez l'élément euh, où on vous dit qu'il faut récupérer les données venant des satellites en orbite basse euh, autour de Mars, de la Lune euh, et de la Terre. <coughs> provenant de la, de la euh, NASA. Tac. Euh... Donc, tout ça on l'a dit. Tout ça on l'a dit. Euh, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah, ça, c'est qu ce qui propose de fournir à la DHS. Tout à l'heure, on disait qu'une des raisons pour lesquelles la DHS a mis fin au programme, c'est qu'ils n'ont rien reçu. Euh, et ça, ça liste en fait les différents éléments qu'il y aurait eu. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un inventaire fait de euh, des, euh, des ovnis, de, Hardware, ça veut dire tout ce qui est physique. AAV, ça veut dire OVNI. Donc euh, voilà. Euh, que ce soit euh, des éléments matériels ou de la documentation. Euh, ta, 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 même chose, euh, ils vont préférer tout ce qui va être facile à obtenir très vite, euh, proposer une expertise analysée, euh, permettre le développement de euh, plateformes d'observation, hum, euh, couper l'herbe sous le pied à, euh, de, au, à la Chine et la Russie qui sont eux-mêmes en train de euh, récupérer ces technologies et de bosser de leur côté. Donc là, c'est ce qu'on disait sur euh, euh, les, euh, les études de, sur le terrain, sur les différents hotspots type Skinwalker Ranch, avec euh, l'utilisation des observateurs humains comme sondes sur le terrain. Euh, on se souvient que dans un des épisodes de Skinwalker Ranch, ils avaient utilisé en fait, les vaches comme biodétecteurs. Et en fait ça décrit carrément qu'ils vont utiliser les êtres humains sur place comme détecteurs et mener des expériences dessus en fonction de leur exposition au phénomène. Ça vous donne très envie de rentrer dans les rangs du DHS. Voilà. Tout ce qu'on a déjà dit, ça dit. Tout ça on a dit. Euh, là, c'est tout ce qui est entraînement à la conscience. Mais on l'a déjà dit, hein, tout, je vous ai fait un résumé tout à l'heure. Ça, c'est tout ce qui va être expérience sur les personnes qui ont été euh, atteintes par euh, un phénomène à proximité d'un ovni. Euh... Bases de données. Ça, c'est la partie euh, GEPAN dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est le bâtiment à Las Vegas. Et là, on commence à arriver euh, aux documents qui, euh, qui piquent bien. Donc, ça, c'est des euh, délibérations qui ont été faites. En gros, on en a deux. On a la délibération de présentation, en gros, du programme où on demande bah voilà. Il y a euh, ce programme qui euh, nous est présenté, qui s'appelle Conablue. C'est présenté par le docteur Tara O'Toole, qui est la sous-secrétaire pour la science et la technologie. Euh, donc, euh, c'est du gratin quand même. Hein. Euh, et en face, euh, vous avez le, le, le décideur en fait, des accréditations de sécurité euh, qui reçoit cette demande. Et en gros, on demande de donner euh, à Conablue l'appellation la, protégée pour que ça puisse limiter l'accès euh, aux informations. Alors ensuite, là ici, on a une réunion où on a euh, le même docteur O'Toole qui va présenter le programme. Euh... Et que on nous explique en fait que ce qui est en train de se passer, c'est que OSAP arrive à son terme et que les fonds pour le futur de OSAP doivent être versés à Conablu, étant donné que la DIA ne veut pas reconduire OSAP à l'intérieur de la DIA. Et du coup, ils veulent créer Conablue et verser directement les fonds qui sont prévus à Conablu. Euh, globalement, euh, on, ce qui donne la, le, les éléments donnés par euh, O'Toole... Arrive pas vraiment à convaincre les gens de, du sérieux du truc. Donc il y a plusieurs questions qui lui sont posées. Euh, mais globalement, euh, la, la, la demande est validée et le programme est accepté. Donc là, on a la validation du, du programme. Donc c'est exactement ce qu'on a dit euh, au-dessus. Hein. Ça aussi, c'est bon. Euh, alors, dans le meeting qu'on avait vu avant, il y avait des questions qui avaient été posées à O'Toole et celle-ci avait dit qu'elle répondrait sous format écrit aux questions qui ont été posées. Et ça, c'est les questions qui ont été posées, mais qui rejoignent ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'histoire le, le, qui a été faite par Laro. Donc, en fait, ce que vous voyez là, ça a été pompé par Laro, qui elle a utilisé pour réécrire son historique du projet Blue Kona. Sauf que là, vous avez beaucoup plus de, d'éléments sur l'histoire. En fait, on nous explique qu'il y a eu, en fait, un examen fait par le directeur des services spéciaux pour savoir si cela correspondait bien à la DHS et que globalement, ça avait été validé. Donc tout ça, c'est une fête, une redite de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la mission de, de l'Aro et les, le pognon qui est, euh, qui est nécessaire et qui est attribué par le Sénat. Euh, tac. Euh, donc ça, c'est euh, la, la suite de la demande d'accréditation de sécurité. Tac. Da, 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 da. Donc globalement, l'accréditation est donnée, il n'y a pas de souci. Euh, simplement, il faudra mettre au jus la direction euh, sciences et technologies du DHS pour euh, qu'il y ait la, la passation des informations. Et là, on arrive au moment où ça pique. On est le 12 décembre 2011. On a un nouveau député, un nouveau secrétaire adjoint qui s'appelle Lute euh, et qui euh, va faire une réunion de euh, révision du programme Blue. Et c'est là où en fait euh, le le programme est arrêté sèchement et on nous indique que O'Toole n'avait pas pu être présente à cette réunion. Là, on a la confirmation de la fin du programme Conablu et ça s'écrit de façon... Enfin, ça se, ça se finit en version très très sèche par le, le secrétaire à la Défense euh, le 24 juin 2009 qui... Euh, ça se finit pas, excusez-moi. C'est un autre élément qui, est, qui vient du secrétaire... Voilà, excusez-moi. Le 5 juin 2013, on a la fin définie de Conablou. Le dernier document est le secrétaire à la défense adjoint William Lynn qui confirme qu'il y a eu cette demande de Harry Reid et qui liste euh, tous les intérêts qu'il y a à faire cela. Et la lettre a été écrite pour Harry Reid, par Harry Reid pour le secrétaire à la défense. Et c'est ça qui avait lancé tout le processus concernant ETIP. Devenu Conablou. Euh, voilà, c'est la fin de ces 63 pages en version euh, raccourcie. J'ai essayé de vous faire le plus synthétique possible parce que c'est monstrueux hein, en termes de, de quantité de texte et d'explications qu'on qu pourrait fournir sur chaque phrase. On va publier un article, mais ça prend des plombes à faire sur le sujet euh, parce qu'il y a tous les éléments que là je vous ai, euh, ai euh, synthétisés, vous les connaissez, donc pour, à l'oral c'est plus facile. Mais il faut que dans l'article, ce soit compréhensible par tout le monde. Donc, il faudra qu'on ajoute plein d'éléments. Donc, ce sera assez balèze à organiser. Mais on a quand même des petites bombes à l'intérieur. On a le fait qu'on a un programme de remote viewing qui est accepté par le DHS pour récupérer des engins AAV. Donc, est-ce qu'on aurait un... un engin haute performance? ce genre de, de terminologie-là, euh, puisque de toute façon, avec euh, l'augmentation du nombre de FOIA, euh, les États-Unis, euh, et je pense les autres pays aussi, commencent à utiliser des termes de plus en plus flous pour parler de ce sujet-là. C'est pour ça que je pense que le terme UAP euh, n'aura pas une très très longue vie. Après, on verra si euh, l'avenir me donne raison ou non. Bien. Euh, ensuite, on va aller voir du côté de Matlaslo si on a des nouvelles qui sont tombées. Euh, tch, 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 tch. Hop. alors 13 hum. alors c'est pas encore tombé donc si ça se trouve on se verra demain et on va aller il euh, y a une vidéo qui était tombée hum. qui est là euh, donc c'est le euh, représentant Robert Garcia qui parle. Donc c'est en sortie de, de ce qui enfin, euh, on, on interroge les différentes personnes. Donc, lui, il dit qu'il préfère avoir des auditions publiques plutôt que des euh, entretiens classés secrets. Euh, il a essayé tout ce qu'il pouvait euh, pour essayer d'avoir des auditions publiques, euh, que ce soit par des demandes orales ou écrites. Mais c'est au comité euh, majoritaire euh, de décider de le faire ou pas, et eux ont essayé, en tant que parti minoritaire, de proposer tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, on a notre master slow qui est sur place. Euh, non, c'est pas encore tombé normalement. Ok, euh, bah, du coup, on se fera probablement une breaking news demain, euh, puisqu'on va avoir tout le skiff à débriefer. Euh, et on essaiera de se faire pour la première fois un format court, puisque j'ai récupéré quand même un peu de voix. Bon, je suis en train de boire du, du miel liquide, hein, c'est quasiment du miel pur, là, à ce niveau-là. Euh, mais euh, je pense qu'on se verra demain pour la suite, mes très chers sentinelles. On a tellement de bonnes nouvelles à vous annoncer dans les prochaines semaines, ça va être un truc de dingue. Euh, alors, nous remercions tous ceux qui contribuent à la chaîne en donnant du pognon. Je rappelle que la chaîne est entièrement euh, financée par eux et par la pub sur la version YouTube en euh, replay. Les lives n'auront jamais de, de pub à l'intérieur. Euh, donc. Euh... Venez assister au live. Euh, J'ai quelques questions en attente, mais là on est déjà à une heure de vidéo. Pile à la seconde près, ça fait une heure de vidéo. Euh, donc euh, je pense qu'on gardera ça pour demain, les questions-réponses. Et puis ce sera plus cohérent avec les, euh, les questions-réponses qu'il y aura au niveau des euh, représentants américains. Donc, nous remercions Laurent, Mouche, Anonyme, Olivier, Willou, avec un magnifique regard de Willou, euh, Kenaro, Jay, Tonin, David, Guillaume, P, Patriarche French, Julia, La Grise, et un concours de regards, là, au niveau des, des, des abonnés, Vince Electron, GGADSL Hypnotode, Valentin, Lady, BR93, Copo2FR, Patriarche French, Grégory Le Lièvre, Florian, Moadib, azimut, Guy Arpelix, louis anonyme Loïc Terrance, A7X, Olivier SLS, Paragost, Teiki, Ritoun, -E du Merci à tous. Il y a beaucoup de nouveaux en plus qui ont contribué sur le... Le Tipeee, merci à tous. Alors, concernant la phase 3, euh, on a des très, très grosses ambitions maintenant qu'on a eu des très bonnes nouvelles de l'État nous concernant. Euh, donc, nous recrétons à mort des codeurs sur Python et euh, des euh, codeurs front-end sur HTML-CSS. On est en train de construire un petit empire de sites web. Euh, donc, euh, si ça vous intéresse de bosser bénévolement pour la structure, je précise bien, bénévolement. Pitié, euh, parce qu'on a la Ferrari de Guillaume à payer, donc on n'aura pas le budget. Euh, vous pouvez envoyer vos contacts à pack, et je vous relairai au fur et à mesure. Le but, c'est vraiment qu'on crée une équipe de développeurs euh, qui ait une ambiance sympa où vous pouvez vous partager les tâches en fonction de vos capacités euh, et de ce, que vous, de ce qui vous intéresse aussi. Et vous aurez notre reconnaissance éternelle pour votre travail. Bien. Euh, en ce qui concerne le recrutement de ce qui est rédacteur euh, d'articles, euh, traducteur euh, anglais, espagnol, correcteur français et traducteur italien, euh, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on devrait être un peu plus au clair, parce que là, j'ai été... Défoncé pendant deux semaines avec les rhumes. Euh, donc je pense que je rouvrirai les portes de recrutement à ce moment-là. Merci à tous ceux qui ont déjà envoyé une candidature. Je sais que ça fait longtemps pour certains que vous attendez, mais on n'avait juste pas la structure disponible pour euh, vous accueillir à l'intérieur, puisque dans la phase 3, on est en train de refondre tout l'intérieur de Sentinel pour passer sur euh, la le tank définitif. Oui, d'ailleurs, on, on ne paye pas un, une Ferrari à Guillaume, on paye un tank à Baptiste. Voilà, vous pouvez, vous pouvez voir ça comme ça. Euh... <laughs> Bonne question, Joe Coucou. Pourquoi, pourquoi une Ferrari et pas une soucoupe volante Je pense que la, la, la taxe d'assurance est moins lourde sur une Ferrari que sur une soucoupe volante. Quand tu vois la propension avec laquelle les objets ont à se cracher. Euh, Est-ce que j'ai oublié quel... Ah, j'ai forcément oublié quelque chose. Je vais, euh, je vais aller voir dans mon flux. J'ai forcément oublier quelque chose. Euh, mais l'avantage, c'est que vous pouvez aller sur mon compte Twitter et avoir toutes les informations en cours. Euh, on a eu une petite vague d'articles anti-momie qui sont euh, apparus, c'était très mignon. Je me suis fait allumer la gueule pour les avoir partagés. On a un excellent article de Allemande sur comment est-ce euh, à travers l'histoire, on a vu euh, la vie extraterrestre. C'est un très bon article que je vous recommande pour la peine. Tiens, je me demande si, lui, on n'aurait pas la possibilité de le... Tiens, il faut que je me pose la question, parce que c'est sûr. On a copié, en fait, le système d'organisation de Vikander Conversation pour faire Sentinel News. Il faudra que je leur renvoie un message, un de ces quatre. Euh, donc là, le rapport de la Ro, euh, je... Ah oui, tiens, celui-là, il est pas mal. Donc, dans Interesting Engineering, vous avez un article qui vient de sortir avec les moyens de défense contre les missiles hypersoniques américains. Et euh, ça parle spécifiquement des euh, radars, qui... enfin des radars, non, des satellites de track à engins à haute mobilité, haute vitesse. Or, il se trouve que c'est strictement la même définition qu'un ovni. Donc, il y a moyen qu'en fait, en mettant ce système de track de missiles hypersoniques en place, il récupère beaucoup plus de données sur les ovnis, étant donné qu'il y avait une estimation de quelque chose comme 10 000 cibles non corrélées par mois au NORAD, quelque chose comme ça. Euh, ah tiens, oui, alors lui il est cool pour la peine. C'est paru sur News 18. Euh, tac tac tac. Il y a une silhouette qui a été filmée euh, en rotation. Euh, je sais pas si je peux lancer la vidéo ici ou pas. Ça existe, les ballons en forme d'êtres humains euh, argentés, euh, d'autant plus qu'on voit qu'il y a des petites déformations dessus. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Donc, si vous savez à quoi ça te correspond, il y a un petit article hein, qui explique le, 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 le contexte, mais il n'y a quasiment aucune information. C'est au de la, dans le ciel de la Californie. Euh, et ça suit aussi toutes les... Euh, toutes les mentions de personnes en jetpack qu'on avait eu à un moment euh, et qui réapparaissent de temps en temps. On a ce genre de, de silhouettes qui se baladent. Euh, ici, euh, celle-là, elle est très très cool. C'est un, un explorateur sous-marin qui a eu une rencontre avec un Noani, qui décrit comme un cube changeant de, de couleur. Euh, je pense que j'irai vous faire un. Je pense que ça, ça mérite d'être couvert par un article pour la peine. Donc je pense que... Parce que mine de rien, des rencontres sous-marines, on en a assez peu quand elles sont visuelles. Parce que l'océan le, 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 est vraiment opaque la plupart du temps. Donc, c'est une rareté. Euh... Tac. Donc là, euh... alors celui-là, il était assez drôle. On a un professeur de l'université de Berkeley en Californie, donc l'une des plus grosses universités de la planète qui a écrit en, pour le Japon un article <coughs> sur le comportement des espèces extraterrestres, Donc, euh, et en couvrant en fait, les déclarations de AviLob. Donc, j'ai trouvé super intéressant d'avoir ce... Alors qu'on parlait beaucoup du Japon lors de la dernière émission, d'avoir ce va-et-vient entre les deux euh, qui, qui se faisait. Euh, tac. Euh, ah, niveau euh, recherche SETI... On a euh, une étude, mais qui est parue en 2023, qui a été reprise là par des euh, sites d'actualité. Donc, vous allez probablement l'avoir popé euh, sur vos flux. Euh, Ou en gros, on a une équipe qui avait euh, qui avait dialogué en fait avec une euh, une euh, baleine, excusez, euh, cerveau en miette, là, avec une baleine, et euh, il y avait eu un échange de questions-réponses entre les deux. Donc, c'était assez mignon. Euh, ensuite, on a une tribune d'Avilub dans The débrief qui concerne l'origine de la date de la vie. Euh... Ah oui, alors ça, ça j'ai fait exprès de ne pas en parler la dernière fois, parce que je savais que ça allait être débunk en 15 secondes. Vous avez une application faite par Ventuski qui explique que, euh, vous avez dû le voir passer euh, partout, je ne sais pas s'ils ont mis la carte, Non, ils sont... ouais, même eux, ils n'ont pas remis la carte. Ça y est, elle est là. Et qui explique qu'il y a eu euh, une anomalie qui s'est déroulée euh, dans l'océan. Et on a vu très très vite que c'était une anomalie parce qu'on avait des contacts qui étaient sur la côte africaine et qui disaient bien qu'il ne se passait rien. Parce que là, l'anomalie, c'est consiste... ah, absolument énorme. Hein. Et tout de suite, il y a eu des rumeurs de ⁇ Ah, c'est un... Un, un engin extraterrestre qui arrive. ⁇ Et puis au même moment, de l'autre côté de la planète, il y a une bouée qui a eu une anomalie aussi. Et ça, ça part très très vite dans ces cas-là. Donc euh, on, nous, on savait que c'était une anomalie de données. Et euh, Ventuski euh, a confirmé qu'il s'agissait de ça. Euh, ensuite, on a eu notre très cher Mike Van Venenkampf qui nous a fait euh, un article complet sur les ovnis et les menaces nucléaires. Ça aussi, on vous le fera demain, je pense. Ce sera plus de contexte. Euh, et nous avons notre très cher euh, c est, c est, c est, là. Allez. Ah tiens, je crois que j'ai oublié, oublié de. Je, je crois que j'ai oublié de le charger en français celui-là. Je vérifiais tout à l'heure, mais je crois que j'ai oublié de le charger en français. On a donc notre très cher euh, Estelle Moutet qui nous a fait la couverture de euh, Christian Van Heist. Euh Il était présent à la conférence européenne. Euh, sur les pans qu'il y a eu il y a quelques semaines. Et euh, il a donné euh, sa, son témoignage, du coup, euh, devant le Parlement européen, enfin, on, dans le, une instance du Parlement européen, sur ce qu'il avait vu euh, dans le ciel. Donc ça, ça fait toujours plaisir et un joyeux merci à Estelle pour son travail. Donc là, c'est euh, Matlaslo. Il faut aussi qu'on vous sorte un article sur les déclarations de, euh, des politiques. Ah non, c'est bon, vous l'avez eu en vidéo. Il faut qu'on sorte l'article, mais vous l'avez eu en vidéo. Ça, c'est bon. Il euh, y a Fox News qui s'est percuté au bout de trois ans qu'il y avait des vidéos qui avaient été sorties par Corbel et donc ils ont sorti un article parce que Gallaudet avait déclaré que c'était probablement extraterrestre. Gallaudet, c'est un ancien amiral qui avait été assez interloqué de la façon dont le gouvernement des États-Unis traitait le sujet des pans et qui a publié un article scientifique sur la possibilité qu'il y ait euh, des espèces, enfin des anomalies euh, sous-marines qui soient en fait des pans. Euh, et là, on retourne sur euh, la... Donc voilà, on a, on a fait le tour des news. Bien euh, oui, oui, Anthony a tout à fait raison, il y a plein de faits qui traînent en ce moment, c'est pour ça qu'on prend beaucoup de précautions aussi avec l'article sur Reddit, et on ne publiera quelque chose que quand on aura la, la, la vérification du, du, du témoin et de, de ce qui s'est passé. Euh, personnellement, moi, ça me fait beaucoup penser, je, je sais pas si, vous, si on parle de, de ça, euh, ça me fait beaucoup penser à des, floods, des, euh, des lumières très puissantes pour éclairer les fonds marins. Euh, qui peuvent être utilisés pour des, par des sondes de reconnaissance euh, de, de minerais euh, déposés au fond. Mais euh, à ce moment-là, c'est étrange qu'il n'y ait pas eu d'écho de sonar qui soit fait à l'intérieur. Après, des, des luminescences marines, c'est là qu'il faut qu'on s'assure que les personnes à bord étaient bien des scientifiques et qu'elles euh, avaient bien la qualité de s'assurer que ce n'était pas de la bioluminescence. Il euh, y a Christophe Colomb qui a décrit aussi des zones lumineuses dans la mer euh, qui étaient très visibles. Et on s'est rendu compte après que c'était en fait de la bioluminescence, c'est-à-dire des, euh, des êtres vivants qui produisent eux-mêmes leur propre lumière et qui donnaient ces schémas-là à, à très grande échelle, parce qu'il s'agissait de tout petits bestiaux, des phytoplanctons, euh, qui étaient remués par les vagues et qui du coup faisaient ces motifs d'éclairage. Là, l'argument qu'ils donnait, c'est que c'est beaucoup plus puissant que euh, ça en a l'air. Euh, et je dois avouer que les images sont assez classes. Bien, mes très chers sentinelles, je n'ai absolument plus de voix. Euh, donc, on se souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain euh, avec, on l'espère, quelques cordes vocales qui auront poussé entre deux. Encore un grand merci à tous les tipeurs euh, qui ont contribué à la chaîne. Euh, je, je ne prends absolument rien pour moi, hein, tout est reversé à l'équipe. Euh, vous pouvez demander à Guillaume, c'est lui qui a littéralement les cordons de la bourse. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve normalement demain, parce que là c'est quasiment certain qu'il y aura de très gros dossiers demain. Au revoir les sentinelles. No way from outside this world watch the tree, tree running across okay. the back in a second right and that's just a truth government has made contact with intelligent extraterrestrials